Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur la Géozone pour le premier épisode du World Tour. Et aujourd'hui, on va parler d'un pays d'Europe et on va parler d'un pays balte aussi. Et lequel des trois pays baltes à votre avis? On va commencer par le pays le plus au nord des pays baltes, donc on va parler de l'Estonie. Donc, Estonie, pourquoi? Déjà parce que je ne vais pas faire des pays classiques comme je vous l'avais dit dans l'épisode pilote, mais également parce que l'Estonie, ben, en fait, quand j'étais en primaire, j'ai dû faire un exposé dessus et ça m'est resté depuis. Dès que je peux caser Estonie et tout ça, ben, je le casse parce que ben, pourquoi pas et je trouve ça intéressant comme pays et vraiment assez peu connu dans l'Union européenne. Donc tout d'abord, nous allons parler des généralités sur l'Estonie. Donc Estonie, déjà en estonien, ça se dit Eesti. Donc déjà, j'ai pris un super pays niveau langue et tout ça, c'est super compréhensible parce que ça s'écrit comme ça et je ne sais pas comment le prononcer parce que je ne parle pas bizarrement estonien. Bref, et donc bon, on va continuer à parler d'autres choses. Donc après, c'était tout simplement un ancien pays communiste qui faisait partie de l'URSS qui est depuis 91 une république. Elle a rejoint l'UE en 2004 et la zone euro en 2011, donc c'est tout neuf. Le président estonien est Toomas Hendrik Ilves, on va dire ça comme ça, bon voilà. Et donc la langue officielle de l'Estonie est l'estonien, comme ça paraîtrait peut-être étrange. La superficie du pays est de 45 300 km², donc c'est 14 fois plus petit que la France, et elle possède une petite population de 1 300 000 habitants, ça fait 50 fois moins que la France quand même. La densité par habitant est plutôt faible avec que 29 habitants au kilomètre carré, et niveau économie, le taux de chômage est plutôt faible à 7% alors qu'en France elle tourne autour des 17 000%. Le PIB est le 41e plus important au monde avec à peu près 20 000 euros et c'est la plus forte croissance de l'UE environ depuis 2010, puisqu'en 2010 ils ont réussi à faire un taux de plus de 10% de croissance alors qu'en France on galère à avoir déjà 1%. Bon, maintenant on va parler un peu plus de géographie physique, donc de lieux, etc. etc. Donc tout d'abord, le pays est composé à 10% d'îles et d'archipels avec plus de 1500 îlots, dont les deux plus grands, Iuma, avec sa capitale Kardla qui compte que 11 000 habitants, et Saaremaa qui compte 36 000 habitants en tout, et elle est composée aussi de 14 000 lacs. Le plus connu, le lac Peipus, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, je crois que je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, c'est le quatrième plus grand lac de l'Union Européenne, et donc il est gelé 4 mois par an, bon déjà parce que l'Estonie c'est plutôt au nord et il fait plutôt froid, et il est navigable les 8 autres mois, donc les Finlandais et les Estoniens viennent s'y baigner en été, écoute s'ils veulent, il fait 10 degrés en été, mais bon s'ils veulent, et le point culminant de l'Estonie, c'est le Suur Munamägi. J'ai l'impression de parler japonais quand je dis ça, mais c'est pas grave. Qui mesure, attention, tenez-vous bien, 318 mètres. Boum, 15 fois moins que le Mont Blanc. C'est à peu près niveau, je pense, du massif armoricain en Bretagne. Enfin, je vais pas dire de conneries pour nos amis bretons, mais c'est à peu près ça. Les 4 plus grandes villes d'Estonie sont déjà Tallinn, la capitale. On en reparlera de toute façon tout à l'heure de Tallinn. Elle compte 400-370 habitants et donc, et c'est à peu près l'équivalent de Toulouse en France. Ensuite, la deuxième plus grande ville, c'est Tartu, qui compte 100 000 habitants, ce qui équivaut à la ville de Nancy. La troisième, c'est Narva, on en reparlera aussi de Narva tout à l'heure, qui compte 75 000 habitants, ce qui équivaut à peu près à la ville de La Rochelle. Quatrième ville, c'est Pärnu, qui compte que 50 000 habitants, ce qui équivaut à peu près à la ville de Laval. Imaginez-vous, en France, la quatrième plus grande ville, c'est Laval. Hein, c'est assez spécial quand même. Donc maintenant, parlons un peu de la capitale estonienne, qui est Tallinn. Anciennement, en français, appelée Reval, je ne sais absolument pas pourquoi, est une ville... Franchement, il y a quand même une grosse empreinte russe puisqu'il y a 50% de personnes qui parlent estonien et 30% de russes. Donc ça fait quand même beaucoup dans ce pays. Bon, après, il y a ukrainien, biélorusse et tout ça, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais bref, donc la situation de Tallinn est assez spéciale puisqu'elle est que à 85 km d'Helsinki, la capitale de la Finlande, qu'on peut rejoindre en ferry, et à environ 300 km de Riga, la capitale de la Lettonie. La ville est traversée par la rivière Pirita qui donne le nom à un des quartiers de la ville. La température moyenne y est de 5 degrés, qui est vraiment pas beaucoup. Petit cocorico, elle est jumelée à la ville de Carcassonne. Big up à tous ceux qui habitent dans le sud de Carcassonne et tout ça. Et on va parler maintenant un peu de foot, voilà. Elle compte 4 clubs dans la première division estonienne de foot. Donc l'Ajax, l'Asnama, le FC Flora Tallinn, l'Evadia Tallinn et le TVMK Tallinn. Voilà, super les noms d'équipes de foot, ça va me faire plaisir. Elle est surtout visitée parce qu'il y a beaucoup d'églises. Putain, c'est un truc de dingue. Mais surtout des églises orthodoxes puisque dans le nord, tout ça, ils sont plutôt orthodoxes que chrétiens. Et donc, il y a un super centre-ville de type médiéval qui est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Un autre problème avec l'Estonie, c'est l'empreinte qu'ont les soviétiques ou encore les russes en Estonie. Donc, en Estonie, il reste encore 350 000 russes, donc qui ont un statut assez particulier parce qu'une partie, 180 000, sont apatrides. Apatrides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas estoniens et ils ne sont pas russes. Tout simplement parce que pour être déclaré estonien, il faut faire un test d'estonien qui ressemble plutôt à la langue comme le finlandais par exemple.
exemple, et pas du tout avec le cyrillique, donc c'est assez dur pour les Russes. Et donc 170 000 n'ont accès à rien, à aucune aide, et le gouvernement les laisse un petit peu de côté. Et c'est là qu'entre la ville de Narva, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une ancienne ville communiste à la frontière avec la Russie. Donc dans la ville, il y a 95% de russophones, ce qui est quand même assez chaud, puisque une grosse partie d'entre eux sont donc apatrides, comme je vous l'ai dit juste avant. Et ils ont créé, un peu comme à la frontière franco-allemande ou à la frontière franco-espagnole, des shops, les Russes, pour faire venir les habitants d'Estonie en Russie, pour faire leurs courses, surtout les Russes, parce que, comment dire, que l'Estonie ne veut plus de l'influence russe, et ça se comprend tout à fait. Et malheureusement, le statut de ces Russes est vachement compliqué, puisque souvent, c'est des personnes âgées qui ne peuvent pas tout simplement apprendre l'estonien et qui n'en ont pas la foi et l'envie. Et donc, nous allons maintenant discuter des langues parlées en Estonie. Donc, 82% des gens parlent donc l'estonien, et quand même 72% parlent le russe. Donc, on voit quand même qu'il n'y a pas tellement de différence que ça. Et la grosse différence qui m'a un peu surpris, c'est que 38% des Estoniens parlent anglais, à peine. Et ça, c'est assez étrange, parce qu'on voit bien que les Estoniens préfèrent apprendre le russe que l'anglais, tout simplement. Allez, pour la fin, maintenant, nous allons parler un peu de culture. Donc déjà, niveau cinématographique, c'est assez faible, l'Estonie, puisque seulement 2% des entrées faites au cinéma, c'est des films estoniens. Donc c'est surtout beaucoup de films anglais. Donc on va surtout parler de sport et un peu de musique, puisqu'en 2001, l'Estonie a gagné l'Eurovision. Un squeeze qu'a gagné la femme homme, la Wichelou, bref, l'Autrichienne. Et donc, tout simplement, en sport, il y a eu certains sportifs estoniens plutôt connus, comme Jan Kirsipu, qui est un cycliste qui a gagné plusieurs étapes du Tour de France, Kaya Kanepi, qui est une tenniswoman qui était 15e au WTA en 2012, qui est maintenant descendue au 126e rang. Donc ensuite, nous avons Erki Nool, qui a gagné le décathlon au JO de Sydney en 2000, et ils ont eu quand même 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver à Turin en 2006, donc c'est quand même pas mal. Et pour se rapporter une dernière fois au foot, elle est classée 88e au classement FIFA entre le Canada et le Honduras. Donc pour la fin, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, une application ou même quelque chose que tout le monde utilise sur son ordinateur pour communiquer. Skype est une entreprise venant d'Estonie, fondée par deux potes, Niklas Zennström et Janos Friis en 2003, et donc le siège social est toujours à Tallinn en Estonie, mais ça c'est juste pour payer les charges un peu moins cher. Bon, ça c'est un peu moins cool, mais en tout cas, maintenant vous savez que Skype, c'est estonien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et ce qu'il faudrait améliorer. Et surtout, lâchez un pouce bleu et partagez avec vos potes, ça me ferait super plaisir. La prochaine fois, nous parlerons d'un pays d'Asie, un petit pays. Je vous donne un petit indice comme ça. Merci d'avoir regardé, je vous laisse, bonne journée, bonne soirée, ciao!